my channel. If you're new, don't forget to subscribe. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci pour vos supports, ça compte beaucoup pour moi. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous parler des différentes manières que vous pouvez utiliser le riz pour grandir vos cheveux. Ça, c'est le riz 100% naturel. Je l'ai acheté dans un magasin naturel. Vous pouvez aussi l'acheter à Walmart. D'accord? Cela fait environ 6 mois que j'utilise le riz dans mes cheveux. Je n'étais pas trop assidue dans ce traitement. Vous pouvez utiliser l'eau de riz dans vos shampoings. Des fois, je l'utilise comme l'eau de rinçage. Des fois, je mets le riz dans mon shampoing et dans mon conditionné. Aussi, vous pouvez l'utiliser dans vos traitements. Vous pouvez le mettre aussi dans vos huiles. Vous pouvez le mettre dans vos vaporisateurs. Et vous pouvez le mettre aussi vous pouvez l'utiliser comme après-shampoing. D'accord? Depuis que je l'utilise, j'ai eu des effets positifs. Il y a des effets négatifs aussi, mais dans cette vidéo, je vais plus me concentrer sur les effets positifs. D'accord? Dès que j'ai commencé à utiliser l'eau de riz, mes cheveux sont devenus plus forts, plus brillants, plus souples. J'ai eu moins de pellicules, moins de démangeaisons au niveau de chevelure. Mes cheveux sont plus lisses aussi. Quand je parle de l'eau de rinçage, cela veut dire que après avoir lavé mes cheveux complètement, je prends le riz, je le mets dans de l'eau et ensuite je prends cette eau-là, je le mets dans mes cheveux et après je continue avec mon hydratation. Ce qui veut dire que je ne les rince pas. D'accord? Quand je dis que je mets j'utilise comme avant-shampoing. Ce qui veut dire que je prends le riz, je le mets dans l'huile et après je laisse dans cette huile-là reposer pour 48 heures. Puis ensuite, je prends cette huile-là, je le mets dans mes cheveux comme un traitement, comme un chouette traitement comme avant shampoing. Je le laisse dans mes cheveux pour 30 minutes à 1 heure. Bon. Il y a des gens qui laissent 15-20 minutes, ça dépend de vous. Moi, des fois, je le laisse même pour plus de temps quand j'ai. Quand j'ai des choses à faire, je le laisse comme ça dans mes cheveux. Puis après, je lave quand j'ai du temps. Puis je laisse 2 heures, 3 heures du temps. D'accord? Ensuite, quand je mets dans mon shampoing, je continue quand je utilise comme avant shampoing. Ensuite, je lave avec mon shampoing, je rince, je mets mon conditionné, je rince. Ensuite, je précède avec le traitement. Je rince, après je précède avec mon hydratation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour vos supports. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et de liker.